il faut avant tout maîtriser l'anatomie humaine. Une chose essentielle qu'on apprend ici, c'est l'anatomie. Ça, c'est la clavicule. Et cette petite extrémité sternale, tout le monde l'a. Quand tu la dessines, il faut qu'elle soit parfaitement représentée, que tu aies le bon rapport entre les deux extrémités. C'est vrai que tu dessines Superman ou Wonder Woman ou Spider-Man, il faut que ce soit juste. Pour représenter des milieux dans lesquels leurs super-héros vont évoluer, mais qu'ils ne connaissent pas, comme un sous-marin ou une voiture de course, les étudiants disposent d'une riche bibliothèque. Pour soigner les détails, les étudiants s'aident de photos qu'on appelle références dans le monde de la BD. Prenons par exemple ce livre sur les voitures de course. Dans mon imaginaire, j'ai une certaine idée des voitures de course, mais je ne sais pas tout. Il y a des choses que je vais oublier, forcément. C'est pourquoi Joe nous dit sans cesse, utilisez des références. Prenez des photos comme modèle. Utiliser de la documentation donne plus de crédibilité à ton dessin. Cela permet par exemple de respecter l'écart entre la roue et la carrosserie. La dernière étape dans la fabrication du super-héros, c'est le coloriage. Dans cette salle, on finalise les dessins. On apprend à utiliser Photoshop. Nés après la révolution Stan Lee, les étudiants de la Kubert School ne sont pas très fans des super-héros parfaits type Superman. Les super-héros doivent avoir une logique humaine, ce qui implique d'être parfois égoïste et parfois altruiste. C'est plus réaliste, contrairement à un Superman qui est un peu trop parfait. Loin des canons des héros de DC Comics, les artistes de demain rêvent de super-héros imparfaits. Mais avant de révolutionner à leur tour le monde des comics, ils devront sortir diplômés de la Kubert School. 3 années d'études au cours desquelles le moindre échec d'un étudiant à l'une des matières enseignées équivaut à son exclusion définitive. Véritable parcours du combattant, la Kubert School est un passeport sans équivalent dans l'industrie de la BD américaine. Au total, on a plus de 90% des étudiants diplômés qui trouvent un emploi. Plus de 90%. Ils doivent travailler vraiment très très dur pour en arriver là. En moyenne, les étudiants dessinent 8 à 10 heures par jour, 6 jours sur 7. Où est-ce que vous allez maintenant ? À la maison, pour travailler. On va continuer à bosser, c'est le seul moyen de progresser. Travailler. Allez, salut.